Chers auditeurs, je vous en conjure, restez chez vous. Fermez vos portes à double tour, barricadez-vous à l'intérieur et surtout, ne faites confiance à personne. La ville est envahie de filaments géants qui surgissent de terre et donnent vie à des créatures infernales dont le seul but est de nous capturer et de nous transformer pour prendre notre place. Ne leur laissez pas cette chance. Le gouvernement ne fait rien, mais mes auditeurs les plus fidèles ont envahi les forums pour trouver un signe de faiblesse chez ces créatures. Nous allons donc devoir nous défendre nous-mêmes, car nous savons bien que les Spider-Man ne nous seront d'aucune aide. Et si les événements de cette semaine ont prouvé quelque chose, c'est que les héros ne font qu'empirer la situation. Quoi qu'il en soit, chers auditeurs, restez en sécurité. Nous traverserons cette crise ensemble. New York ne se rendra pas sans se battre. Et je serai là, au front, à vos côtés. Bonne chance, et je l'espère, à bientôt. Là, c'est le réservoir de Central Park. Le réseau d'eau de la ville. Qui achemine la mélasse. Qui ajoute toujours plus de monde à l'esprit de ruche. Si tous ces symbiotes sortent de Manhattan. Adieu la Terre. Bonjour, planète Glu. La météorite est la source de tout ce pouvoir, non? Elle crée la mélasse, elle crée les symbiotes. Mais elle était inerte avant qu'Harry la répare. Ouais. Et c'est l'accélérateur de particules qui l'avait endommagé au départ. Il l'avait taillé à basse puissance. Oui, et donc, si on augmentait la puissance, si on la poussait au maximum... On pourrait la détruire et libérer tous les gens connectés à l'esprit de ruche. Ouais, en théorie. Mais le réservoir doit être blindé de symbiotes. Et on sait tous que Harry ne quittera pas la pierre des yeux. À moins qu'on la pâte avec autre chose. Moi. Non, c'est juste pour illustrer mon propos. Harry reste Harry. Il pense qu'il guérit le monde. Mais pour que tout soit vraiment parfait... Son meilleur ami doit être là. Je peux distraire Harry, l'éloigner de la météorite. Et moi, je peux m'occuper des symbiotes. Pendant que moi, je vais récupérer le caillou. C'est juste pour illustrer mon propos. Très bien. On allume l'accélérateur. Plus d'esprit de ruche. Et le monde est sauvé. Qui veut des choses? Ouais, en théorie. Pete, par rapport à ce qu'a dit Connors sur l'état d'Harry, s'il est trop tard, est-ce que t'es prêt? Ça n'arrivera pas, ok? Parce que je sais que vous détruirez la météorite à temps. On va guérir le monde. Pour de bon, cette fois. Thank you.
ce machin. Harry et ses amis aussi. Tiens, ça ira mieux avec un mode Sonic. Ils sont immobiles. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Écoutez, je sais pas comment vous remercier pour tout ça. T'inquiète, Pete. On est la Spider Team. C'est bien de le rappeler. Salut mon pote! Tu vas rester planté là toute la nuit à jouer avec ton caillou? Y'a que nous deux, Harry! C'est ce qu'on a toujours voulu! Condition. Il faudra que tu m'attrapes d'abord. La météorite a l'air connectée au reste de la ruche. Détends-toi, c'est juste un caillou. Qui pourrait détruire le monde. Mmh.
créatures vont me submerger. Faut que j'y aille. Elle a l'air vivante. Il faut que je me tire. Si elle récupère ce caillou, c'est mort de chez mort. Ciel. Oh, presque sortie de cet enfer. Ma sortie semble être derrière cet hélice. Avec cette chose qui me poursuit. Sois invité à la fête des anciens du lycée, Harry! Harry! C'est ici que nous sommes devenus des amis proches. Ouais. C'est vrai. Et c'est ici que nous allons devenir frères.